Comme chaque soir, place à un nouvel épisode de notre série, direction Ternier, dans l'Aisne. Ternier, où nous suivons depuis lundi l'association Geek au Carré. En plus de tourner des films qui font un certain buzz sur Internet, elle pousse ses adhérents à suivre des formations pour les lancer sur le marché du travail. Reportage de Christian Mirabeau et Aurélien Barège. Costume d'It Girl. C'est Linda Tichy pousse la chansonnette afin d'amadouer ses scouts. Avec trois autres geeks, ils jouent les encadrants. Objectif, l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, dit le BAFA, mais pas que. Ici, vraiment, je recherche le contact avec les enfants, être sociable. Les scouts, ça apporte énormément parce que ça nous rend plus autonomes, on apprend des choses aux enfants, ils nous apprennent elles aussi, on apprend toujours des autres et ça, c'est génial. Moi, animateur et responsable des scouts, je m'engage vis-à-vis des jeunes à être attentif à leurs aspirations, à les aider à cerner leurs valeurs. Une promesse pleine d'avenir. C'est Linda Tichy prépare son bac pro accompagnement, soins et services aux personnes. Elle aspire à devenir infirmière en psychiatrie. Et cette expérience au milieu des enfants ne peut que lui être bénéfique, même si elle appréhende un peu. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille des scouts. Merci. Il y a toujours un petit peu de pression au début, on ne connaît pas vraiment les enfants, on ne connaît pas leur caractère. Le temps de les d'apprendre à les connaître, etc. Donc ça viendra tout seul, je pense. Ça viendra naturellement. On va trouver notre place tout seul. Voilà, en tout cas, je suis fier de vous. C'est ce que je leur disais. Les choses sérieuses vont commencer. Ça va se faire tout le long de l'année, par des expériences, quelquefois même par des échecs. Mais les échecs sont aussi formateurs. Donc ils vont se construire. Par eux-mêmes, par l'expérience, par l'action. Moins théorique, mais plus les mains dans le cambouis. Durant une année, foulard au cou, Céline Datichi va devoir naviguer entre ces deux univers. Il vole, petit oiseau. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes le frère Bogdanov. Non. T'as foiré toute mon intro. Vas-y. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire du montage simple. C'est-à-dire, on va prendre juste pour l'instant deux morceaux de vidéo, on va apprendre à faire les changements de plan. L'association dispense aussi ses propres formations, ouvertes à tout le monde. Une manière d'exprimer leur gratitude à ceux qui les ont aidés au départ. Comme nous avions reçu nous-mêmes un enseignement grâce à Picardie en ligne, l'association amiénoise Carmen, nous on part du principe que si on nous donne, on veut rendre. C'est tout. Donner plutôt que prendre. Laura Laous, alias Mehdi dans la websérie, est en bac pro esthétique. A priori, loin de l'univers du montage vidéo. Mais pas de son point de vue. Juste avant que tu fasses le regard caméra. Ok. C'est le fait d'apprendre, après, d'avoir des bagages derrière. Enfin, c'est pas mal, quoi. Après, ça, on peut toujours le mettre sur notre CV, s'il y a besoin pour faire, par exemple, dans mon métier, pour faire des animations ou quoi. On peut créer des vidéos, ou... c'est toujours utile. Et puis, on ne sait jamais, elle pourrait bien se laisser tenter par l'univers cinématographique. J'en ai marre, à chaque fois, c'est pareil, je comprends une raclée comme d'habitude, j'en ai marre. Ah, je l'avais bien dit. Plus aucun homme ne tient la route avec moi.